Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. On est sur la partie 3 de Adieu ma collection, ce concept que vous avez l'air de pas mal aimer. Donc aujourd'hui, le but, c'est de se débarrasser de tout ça pour les mettre en carton. Mais je risque de le faire sur plusieurs vidéos pour pas que ça soit non plus trop long et que je vous laisse découvrir au fur et à mesure des semaines à venir. Pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi je fais ça, eh bien, il y a deux autres vidéos sur le sujet, je vous conseille vraiment d'aller les voir et vous aurez toutes les explications. Allez, c'est parti! Donc le but, c'est de mettre tout ça en carton comme je vous l'ai dit. Et là, on a vraiment de tout. On part sur énormément NECA. Après, c'est du Mattel et Hasbro. Donc en NECA, tout ce qui est Tortue Ninja, Retour à le futur, Alien. Ici, et il y en a aussi là-bas. Et ensuite, en Mattel, tout ce qui est maître de l'univers. Et chez Hasbro, nous avons les Ghostbusters. Il y a déjà des vidéos sur quasi la totalité de ce que vous trouvez ici. Vous avez des vidéos sur la chaîne YouTube. Et ici, de chez Hasbro, les Mission Fleet Star Wars. Des packs que j'adore, j'en ai plein. Donc je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure. Mais il y aura vraiment des vidéos reviews si elles ne sont pas déjà sorties sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Et ensuite, nous avons aussi ceux-là de Battoy TV. Les deux versions que je kiffe de malade. Bon bah le but c'est de tout mettre en carton. Comme d'habitude je suis désolé, je suis seul à filmer quand je fais ce genre de concept de vidéo. Donc évidemment la caméra elle est pas bien positionnée, j'ai pas peut-être forcément toujours le bon angle. Et j'ai personne pour me tenir la caméra. Mais au moins ça vibrera un petit peu moins sur l'écran. Donc ça sera déjà pas mal aussi. Comme vous êtes beaucoup à me dire qu'il faut que je m'achète un stabilisateur et que je préfère m'acheter des figurines au lieu de m'acheter un stabilisateur pour la caméra. Allez, c'est parti. Alors, je pense qu'on va partir sur les retours à le futur. Je ne sais pas trop encore comment on va les ranger. Voilà, je vous le montre de temps en temps, pas toujours, mais de temps en temps. Je crois que cette vidéo-là, il va y avoir beaucoup de retours à le futur. Et ensuite, je vous ferai l'angle, comme d'habitude, du carton, une fois bien aménagé. Ouais, il y a peut-être... Alors déjà, je peux les mettre au moins d'un côté du carton. Voilà, comme ça. Et on va les enchaîner. Hein. Il me tarde que le bif y sorte, là, que je puisse l'acheter, le bif du futur, parce que je ne l'ai pas encore. Il n'est pas encore sorti, mais il a été teasé. Alors, ah, il y a d'autres retours à le futur, mais elles sont beaucoup plus loin. Voilà. Ben voilà, en parlant de bif, ça c'est le bif donc, du premier film. Non, c'est le bif du 2. Et ça aussi, ça c'est Marty du 2. Bon bah comme vous voyez déjà là, on n'est pas trop mal. Hein. C'est les languettes souvent qui sont embêtants parce que je veux pas les retirer. Et ça prend de la place. Et là, est-ce que les tortues ninja, peut-être qu'elles vont passer comme ça. Ouais, à la limite, je mets deux packs avec Bebop et Rocksteady. À la limite, j'essaie de les passer là. Et on sera bon. Ouais, ça a l'air assez stable, regardez. Je pense qu'on est pas mal pour le premier carton, là. On peut pas mettre grand-chose de plus. Et voilà, j'ai plus qu'à marquer dessus ce que c'est sur le carton. Pour au niveau du déballage et le rangement dans la nouvelle pièce de collection, voir comment ranger ça. Alors d'ici que je sorte la vidéo, c'est fort possible que s'il faut, je suis déjà en train d'aménager au moins tous les meubles dans la nouvelle pièce de collection.
parce que j'ai beaucoup de meubles à y mettre. Je vais d'abord, avant de ranger mes pièces de collection, mettre toutes les vitrines, toutes les étagères de partout, avant de vraiment... je veux bien organiser la pièce avant d'y ranger quoi que ce soit dedans. Donc, Neka. Neka, tu écris comment? NECA? Ouais, NECA. Oh, du coup, j'ai pu écrire Neka. Du coup, toutes les retours vers le futur ont été rangées. J'ai des boîtes de Grimmins à ranger aussi. Le Alien. La remasterisation des anciens jouets Kenner, mais qu'ils ont. C'est pas une réédition, c'est vraiment. Ils l'ont entièrement refait différemment. Mais se sont inspirés des jouets de l'époque Kenner. J'adore cette. Cette figurine, il y a vraiment une vidéo review là-dessus, si vous voulez la voir. Ça, ce sont les aliens. Donc, 40e anniversaire de chez NECA, toujours. C'est de la dinguerie, j'avais déjà fait aussi des reviews là-dessus. Donc, celles-ci en review, elles sont faites. Voilà, d'autres du 40e anniversaire de dingue. Et celle-là aussi. En fait, le but c'est que ça se balade pas trop quand même. C'est compliqué de faire ça propre et bien. Ouais, il reste toujours un peu de place, je sais pas. Ouais, je sais pas trop comment les ranger en fait. J'essaie de vous montrer au fur et à mesure, je me pète un peu le dos, je vous avoue, mais. Ah là 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 là. Regardez-moi cette merveille. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, pareil, il y a une vidéo sur le sujet. Oh putain, celle-ci, elle rentre. Elle rentre au poil de fesse, hein, pour être poli. Regardez. Voici, si vous allez voir. Après, il n'y a pas besoin que ça soit super bien protégé, mais tout ça, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo de la chaîne. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? J'ai d'autres NECA. Tortue Ninja. Tortue Ninja à nouveau. Hop. Allez, j'en ai plein, hein, des Tortues Ninja. Je sais pas si vous verrez grand-chose. Hein. Celle-là, elle peut aller là, je pense. Tiens, on a quand même un gâchis de place. C'est vraiment chiant. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut caler d'autre ici. C'est vraiment. Non, il passe pas. Non, les maîtres de l'univers, ils passeront pas, c'est sûr. Et si j'enlève cette NECA. Alors là, ça passe pas du tout. Non, ben, je vais rester sur celle-là. L'alien qui rentre bien pile. Et là, là, peut-être un mission fleet comme ça. On va voir. Ah, elle rentre. La mission Fleet, elle rentre. Regardez, je la mets sur le côté. Et ça rentre, ça bloque tout. Là, nickel. Ah, super. Ok, super. Celle-ci, c'est bon. Alors, c'est des petites vidéos bonus, hein. C'est pas... on n'est pas sur de la review de statues, de figurines, comme on fait d'habitude sur la chaîne, ou des visites de magasins ou quoi. Là, on est sur un tout petit format, donc je vais pas à chaque fois, je vais faire 2-3 cartons et je vais couper. Et on verra pour une prochaine vidéo parce que je trouve que ça peut être intéressant, mais j'ai pas envie de tout faire sur une seule vidéo et y passer 3 heures aussi parce que en fait, je fais aussi beaucoup de cartons sans les filmer pour aller aussi plus vite parce que j'ai un gros manque de temps actuellement. Mais c'est vraiment pour vous faire plaisir en fait que je prends du temps à mettre l'éclairage, la GoPro, trouver un peu de place. Que j'aurais pu faire les cartons beaucoup plus rapidement, mais je trouve ça tellement dommage de ne pas vous faire profiter
de ce changement de pièce par rapport à cette collection-là qui va être dans une pièce de 45 mètres carrés bientôt. Et avec un décor, avec un truc et tout. Enfin, je suis vraiment en train de travailler sur ce projet depuis déjà pas mal de mois, voire années. Maintenant, oui. Et il y en a encore pour pas mal de semaines. Mais à l'heure où je tourne ces vidéos, comme je vous ai déjà dit sur la chaîne YouTube, en fait, je ne sors pas les vidéos dans l'ordre que je les tourne. Ça fait que vous avez des anciennes vidéos que j'ai déjà tournées qui vont sortir plus tard, après celle-là peut-être, etc. Pour toujours que vous ayez du contenu, toujours que vous ayez des reviews de statues, de figurines, de jouets, des balades, des sorties en magasin, tout ça. Et en même temps, comme ça, moi, je continue mon petit train-train de vie jusqu'à bien m'organiser, vous sortir des grosses vidéos après sur le sujet. J'espère vraiment que ça vous plaît. Allez, c'est fini pour ce carton, on passe au suivant. Bon, du coup, on fait ce dernier carton pour cette vidéo et on se retrouvera pour la partie 4 d'ici quelques jours, voire une ou deux semaines. Allez, c'est parti. Alors, dans ce carton, j'aimerais mettre d'abord les gros trucs. Enfin, les gros trucs, j'ai plus gros, mais on va continuer avec Tortue Ninja pour rester sur le thème un petit peu de cette vidéo. Regardez ce monstre-là, un de mes préférés. Je vais vraiment continuer cette gamme de Tortue Ninja parce que je suis hyper fan du dessin animé que je suis en train de me remettre en ce moment sur YouTube, quelques épisodes que j'arrive à en trouver. Tout ça, il y a des vidéos hein, sur la chaîne. Lui aussi, il y a une vidéo sur la chaîne, je l'ai montré. Regardez les couleurs pétard de malade. Ah, c'est de la tuerie. Ça, moi, j'adore. J'adore. Ça me fait kiffer de malade. J'adore. J'adore. Hop. Et. En fait, là, on peut vraiment faire un pack NECA Tortue Ninja, un gros carton. Putain, mais ça va être Noël. Je vous ferai des vidéos quand on ouvrira tous ces cartons dans la nouvelle pièce, mais ça va être Noël. Je vous le garantis, ça va être Noël. D'ouvrir tous ces cartons, on va faire. Alors. On va mettre du Mission Fleet, un petit peu Star Wars Mission Fleet. Putain, il est plié celui-là. La languette a été pliée. Bon, on va la laisser plier, ça m'arrange. Oh! Elle rentre pile. Regardez. Comme ça, on peut finir le dernier carton. Il n'y a pas besoin de protection, comme je vous l'ai dit, on n'envoie rien par la poste. Hein. C'est moi qui m'occupe du déménagement, donc il n'y a vraiment aucun souci. Je ne vais pas secouer les cartons, je ne vais pas non plus. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo, qui sort un petit peu de l'ordinaire, vous a plu. Et on se retrouve pour la partie 4 dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vais vous sortir aussi des nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce concept, de voir un petit peu. Des objets de collection et tout, parce qu'on va faire aussi de Iron Studio, du Sideshow, du Prime. Vous allez voir des énormes cartons. Là, on commence petit à petit, on va faire crescendo hein, au fur et à mesure. Là, je débarrasse d'abord tous les petits trucs. Hein. Tout ce qui est jouets, Mattel, NECA, donc jouets, figurines. Et après, au fur et à mesure, on va commencer à s'attaquer. Voilà, mettons le Triceratops qu'il y a ici, il va bien falloir le mettre en carton, trouver une solution pour l'amener dans la nouvelle pièce de collection. Pareil pour le tyrannosaure, les voitures qu'il y a là-bas, toutes les vitrines qu'il y a ici. On va avoir 9 nouvelles vitrines aussi. Voilà, il va y avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et j'espère que ça vous plaira. Donc, likez cette vidéo. Partagez-la si vous voulez la partager. Qu'on soit 1 million sur la chaîne YouTube, ça serait vraiment cool. Mais voilà, il faut y croire. Hein, il faut y croire. Je crois que plus de chances que ça arrive que de jouer au loto. Quoique. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, probablement demain à 18h. Ciao!